Je fais des allers tout le tour, c'est des murs que t'as, mec, de toute façon. Ah, des coups. Ouais, ouais, y a pas de gravel et tout. Et les murs pour les péter, tu les fais comment, exactement? Ah, la hache, ouais, la hachette, mais c'est long, là, y a 15 minutes. Au moins, par section de mur, là. Ouais. Ah, y'a un mec. Où ça? Ah non, c'est un cochon, y'a des cochons. Dans la base, j'ai eu peur. Faut en prendre du sandou, mec. On les butera. Ouais, mais là, ils peuvent pas sauver, on va pas tirer. Parce que sinon, on va changer les variables. Ouais, on va attendre ça, ils vont rester là. Moi, je vais juste faire le tour, voir si, si je les vois pas en tir. Ouais, je sais qu'ils vont péter, là, mais là, je les vois pas. Tu me dis si ça faisait un coup de mal sur la bagnole. Et ils sont deux. Je regarde où ils vont. Putain, quel con, et... mais je crois savoir c'est qui. Ah ouais? Oui. Pas Dankton McCain. Hercule. Ouais, je l'ai envie. Si je fous le monde dedans. Ah putain, le serveur restart dans 15 minutes. Je suis à l'airfield là. Donc je fasse le tour. Ouais, de toute façon tranquille. Non mais c'est pour moi aussi, parce que s'ils voient que vous êtes 4, ils vont lâcher l'affaire, ils vont aller voir quelqu'un qui a moins de... tu vois, genre moins à côté, tu vois. Ouais, putain, du monde, il commence à avoir trop de monde là, mec, c'est pas bon. Il y a une voiture de plus. Ça doit être lourd à porter, ça. Oh, y'a. Ils sont 5 là maintenant. Alors là, par contre, s'ils font des conneries, je donne pas long feu pour eux parce que je crois que c'est communauté cachée. Je vais aller chercher quoi, je vais prendre l'arbre au cas où dans ma deuxième. Ouais, prends-la. Je vais aller chercher quelque chose de plus pesant. Là. Ouais, mais ils vont rien nous faire. Non? Ouais, mais je préfère. Ouais, après, voilà. Je préfère être sûr plutôt que se faire baiser en beauté. Tu vas aller te porter une PKP Scorpio. Ouais, oh, t'inquiète, j'ai. Tu sais, je prends l'arme, c'est la quoi là? C'est la Macmillan, je crois. Yo, y'a une Macmillan en haut. Ça va le faire, je peux user 3 stuff, on fait de la place. Jack, je t'ai mis une grenade à regarde, il a dit j'aime bien ta casquette. Ah, putain, ta casquette. Jack, j'ai mis une grenade à tes pieds. C'est pareil, des HE, hein, j'en ai un. Hein. J'en ai 3. Je peux bien échanger avec un voiture si vous voulez. Non. C'est bon, j'ai. Oh, y'en a un qui est guéri. Du coup, vous revenez pas du marché en NATO, monsieur. Non. D'accord. On va voir. Faudrait un voiture. Par comment aller, Stern? Surtout qu'à chaque attaque, ils sont obligés de dire aux admins qu'ils vont attaquer telle personne, hein, donc... Ah ouais? Ouais, donc il doit y avoir les admins qui surveillent en plus, donc faites gaffe de pas faire de conneries, sinon vous allez vous faire jarter direct. Ok. Ouais, ils vont attendre 18h. À côté d'un mur là-bas, il est à côté d'un mur, regarde. Non mais on parle pour cela. Je sais pas s'il m'a vu ou pas là. Bon, si vous avez... Je crée faire perdre patience. Eh, c'est ça le pire, ça se trouve c'est leur pote. Alors? Non, les deux là, non, c'est pas leur pote. C'est des admins? Ah, c'est chiant ça. Il me semble que c'est... C'est Elias en noir là, non? Ouais, il me semble que c'est Elias. Non, il y a, hey, attends. Non, il y a pas la batte. Non, c'est pas Elias. Mais il me semble que c'est.
je pense que ça peut être Ted. Ah, je sais pas, ça me paraît bizarre. Déjà, c'est, ils sont c'est deux entre la fréquence 13 et fréquence 14. C'est sûr et certain. C'est une intervention rapide, tu peux pas tester. Pas mal, tu peux pas tester. D'accord. Ouais, je vais enregistrer ça. Eh, putain, t'as le temps de couper le frein. Y'a plus de pas, là. Non. Tour de part pas. Alors, elle marche ton truc. Qu'est-ce qui branle? Ils attendent. Fais voir Tommy. Wow, tabac, mac. Wow, fais attention, ils sont en train de mourir. C'est du beau, ça, c'est du beau, ouais. Ah, ils sont en train de s'installer, là, on dirait qu'ils vont passer la soirée là. C'est vrai, ça, ils attendent 18. Moi, ouais, j'ai mal lu lire les règles, mais je crois normalement, si on est là, ils peuvent attaquer n'importe quand. Hein. Monsieur, ouais, la semaine, mais je te dis, hein, je pense pas le week-end. Bah, bonne soirée. Faut jouer à checker en deux. En fait, le week-end, ce qui change, c'est juste si la personne est présente. Ouais. Mais bon, non, vu qu'on est là. La semaine, parce que les mecs qui bossent, ce serait trop facile de rentrer dans leur base, tu sais qu'ils travaillent, quoi. C'est ça. Donc, la semaine, c'est. S'il n'y a pas le mec, ils attaquent pas. Et le week-end, ils peuvent attaquer de 18h jusqu'à minuit. Quoi. Alors les raids durent la semaine du lundi au jeudi. Il est possible du raid uniquement si les joueurs du camp attaquaient son voilà. Prêtre. Ah, autant pour moi, j'avais mal lu. Il n'y a pas de problème. Et le week-end, un raid possible même si les joueurs de Cécile ne sont pas là. Ouais, mais ça veut dire qu'ils peuvent attaquer quand même. Ils peuvent attaquer, mais à mon avis, ils n'ont pas lu la règle correctement. Ils sont encore à l'ancienne. Autant pour moi, j'avais mal lu. Pas de problème. Ouais, hey, c'est-tu mieux d'abuser un admin? Il insulte la cousine, c'est normal quand même. Est-ce que tu veux que j'en prévienne? Non, mais à mon avis, ils sont prévenus. Hein. Ouais, moi, j'aimerais ça que ça vienne de nous autres. Bah, essayez-vous, ouais. Essaye-toi d'envoyer un message, dire on va se faire raid, donc on tenait à vous prévenir. Voilà. À Vass? Comme à ça, John Capo? C'est là qu'ils font les... Bon, voilà, comme ça, au moins, c'est là qui fait le con, il est pris. Il y en a deux qui vont se casser, là. John Capa. Ouais. Tape contre le panneau, là. Tape contre le panneau, là. Hey, débouffe-toi, débouffe-toi. Oh. Quelle grosse merde. C'est quoi, une grenade? Oh, mince. Bon, bah, fuck, hein. Oh, c'est bien fait pour vous. Par contre, maintenant vous allez dégager d'ici parce que c'est pour jouer avec des grenades. Il y en a qui est mort, non? Je pense qu'il y en a un qui s'est tué. Non, non. Tu laisses les stuffs de ton pote par terre. Mais non, il est mort. Attends, il est en train de te donner une sommation là. Tu laisses les stuffs de ton pote? Bah pourquoi? C'est quand même le stuff de ton pote, non? Tu laisses le stuff de ton pote par terre. Scorpio, tu tiens prêt, il y a une sommation. Ouais, ouais. Là tu es derrière la maison verte. Ah il m'a eu! Il m'a tiré dessus. On tire? Oh il m'a tué, il m'a tué. Go tuer. Du coup j'ai toujours Jack et j'ai Jack qui est dans ma base pour en fait c'était lui l'instigateur parce que la raison pour laquelle Jack est là c'est vu l'expérience, moi j'en ai pas en RP. Ouais. La situation s'est développée puis j'ai laissé Jack prendre l'initiative de la situation au niveau verbal pour justement profiter de cet événement là pour apprendre. Mais tu sais je m'attendais pas à prendre une balle en face. Ils ont pas le droit de te tirer direct dessus comme ça, faut qu'ils te disent leur gentillesse, tu vois. Ils disent bah non, on va pas se rendre, du coup on va se fight. Non, mais là, ils direct moment, dessus. À aucun moment il y a eu. Ils ont jamais clairement. Les sommations retour, quoi. Ouais, voilà. Puis j'ai déjà eu la problématique sur au niveau des sommations, mais comme je te dis, c'est carrément un manque d'expérience. Fait que c'est pour ça que je t'ai envoyé un message pour te dire, gars, je pense qu'on va avoir des problèmes. Puis j'ai pas eu le temps de faire grand chose, j'ai pris une balle tout de suite après. En fait, c'est simple, dans la situation actuelle, c'est qu'on a tiré pour la sauvation. On leur a dit de pas bouger, ils ont couru. Et après, ils ont engagé directement. Ils ont engagé direct.
Donc c'est ça, c'est ce que je reproche, c'est que ouais, ils ont couru quoi, on a beau les braquer, ils s'en battent les couilles, il y a une PKP, un snap. Ouais, après tu vois, c'est à vous de les shooter, par contre qu'ils ripostent instant sans rien dire, genre comme ça, d'un coup, non. Mais c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, hein. Bah là, de toute façon, je vais essayer de récupérer le plus de stuff que je peux, mais... Non, ouais, c'est risqué. T'as le restart dans 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est pour ça, ou alors attends, je vais essayer de screen le stuff, mais je vais me prendre une balle. T'as la PKP qui doit être juste à côté de toi, essaie de la récup au moins. Elle est dans le mur avec le... Ouais, ouais, je la vois. OP, si vous êtes capable de mettre le stock dans le truck bleu en bas, là, juste à enlever les nets, les camo nets, là. Après, ce qu'il a en vêtements, te fait pas chier, on récupère le plus cher. Surtout la PKP, je pense que c'est le plus important. Ah, parce que tu vois tout ce qu'il y a ? Ah, oui. Ah, ouais, mais... Scorpio, t'as-tu de la place dans ton sac ? Ah, moi je suis mort. Ah, t'es mort aussi ? Ouais. Ah, ouais, après, oui, il a fait la même erreur que toi, mais dans l'autre tour de guet. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut que tu la sécures le bas, parce qu'en gros, elle est ouverte. Elle est ouverte tout le bas. Sur le bas. Ouais, les deux, attends, il y a deux coins qui sont ouverts. Il a pris une balle haut. Non, il était là-haut. Ah, ouais, d'accord, elles sont pas finies sur le haut. Ben, en fait, le matériel il est là, c'est qu'on n'a pas d'angle de tir si on met les parois basses. Ouais. Puis moi, je les avais enlevés, mais j'ai laissé les matériaux là, du coup. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses la partie du mur haute et que tu mettes un filet de camouflage. Et ça peut aider un peu. Ok, ouais. Ouais, le stuff, je pourrais pas le récupérer. Après, les tours de guet, c'est le pire endroit où te mettre. Non, je suis tout nouveau dans le jeu, c'est pour ça, après. Plus une semaine que je suis là. Nous, on l'a appris avec la RTB, ça. Les mecs qui se mettaient dans les tours de guet, ils en ont pris des balles. Ah, c'était vachement visible. Ouais. En gros, ils étaient en habit genre un peu clair, tu vois. Sur du fond marron foncé, ça se voit très 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 bien. Du coup, leur action, est-tu légale ? Es-tu... Tirer comme ça, après une sommation, sans rien dire, c'est... Ouais, c'est pas cool. Ok. Mais c'est toléré, quoi ? Non. C'est la tempête qui embête, là. C'est le reboot, là, qui... Ouais. Ouais, dans une minute. Ben, j'ai filmé, je pense que je devrais avoir une vidéo au pire. Hein. Ouais, essaie d'upload. Tu peux, ouais. Mieux. Comme ça, on pourra avoir la. Putain, mais ça. La Gunther Rouge, non, c'était pas Tad et Logan. La première, tu vois. Non, ils sont pas repassés. Non. Ah, si, ils sont repassés. Ah non, non mais ils sont avant la... En fait, ils sont repassés il y a quoi, il y a 5 minutes. Non, c'est pas eux. Je sais qui est passé le début. Après, je sais qui est passé après. Après, ceux qui sont repassés il y a genre 5 minutes, ça, je sais pas qui c'est. Mais les deux que t'as vu au tout début, c'est. Ils sont jamais repassés. Ils sont passés une fois devant chez vous. Il y en a, il a gueulé tabernacle pour Marcus. Ah, tabernacle, ça me dit quelque chose, ça, Yuri. Bah, c'est une insulte en québécois. Oui, justement, je viens de voir quelqu'un qui parlait québécois. Et t'étais... Est-ce que t'étais en Gunther Rouge ? En total avec la première voiture. Ouais, j'étais en Gunther Rouge. Ouais, donc là, c'est la première voiture. On a aidé pour un chargeur qui a une arme. La toute première voiture, c'était dedans. Qui t'avons aidé pour le chargeur. Il y a beaucoup plus de voitures qui sont passées, je pense. Nous, je sais que nous, on s'est arrêté parce qu'on a eu une demande d'aide. Donc on s'est arrêté. Vous étiez trois, c'est ça ? Non, moi j'étais en guilly dans la tour. Ah ouais, bah non, c'est pas nous. Ah. Attends, non, est-ce qu'ils t'ont demandé pour une Thompson ? Oui, c'est ça. Ah, toi t'étais encore ailleurs ? Petit chenapan. Moi j'étais... Quoi ? Mais non, moi j'étais dans la tour... T'as pas vu qu'il y avait un camp là à côté ? Non, t'as pas vu. Bah pourtant, j'étais sur la tour... Ouais, mais non, on t'a pas vu, on a aidé pour la Thompson et puis... Je vous ai même demandé s'il y avait vous avez vu des gens au NATO. Oh non. Ah oui. Vous avez demandé si on venait de telle place, ouais. Bah c'est moi qui ai demandé ça. Ah putain, mais on t'a même pas vu. Et ensuite, les gens...